Pour accéder à cette page, vous devez vous rendre dans la section « Membres » du menu de gauche. Par défaut, aucune information n'apparaîtra. Appuyez sur « Rechercher » pour afficher la liste des membres. Cliquez sur une fiche pour accéder au profil. Voici ce à quoi ressemble un profil membre dans la plateforme. Vous avez le nom, la date de naissance, l'âge, le numéro HCR, l'organisation principale, les organisations liées, ainsi que les différents niveaux et divisions applicables. Il y a aussi une historique de transactions, dont le montant total, ce qui a été payé, ce qui est dû, ce qui est tarifié, le crédit restant, ainsi que ce qui est impayé. En naviguant vers le bas de la page, vous aurez accès à différentes sections telles que les informations générales, les adresses et numéros de téléphone, contacts, liens familiaux, mémo, ainsi qu'une nouvelle section « Registre des modifications » qui sera prochainement en vigueur. Cette future section vous permettra de voir l'historique des changements qui ont été apportés, donc qui les a effectués et quand ont-ils été apportés. Il existe deux manières d'ajouter un membre à nos favoris dans HCR 3.0. Encore une fois, il faut être dans l'onglet « Membres » et appuyer sur « Rechercher ». Voici la liste des membres. La première manière consiste à cliquer sur l'icône étoile dans la colonne. Voici le message confirmant que l'opération a bien réussi. Vous pouvez retirer le membre des favoris au même endroit. La deuxième manière consiste à cliquer sur un membre, puis cocher l'icône étoile dans la fiche de celui-ci. Encore une fois, vous pouvez les retirer à cet endroit.